votre corps en 3 jours seulement. Si vous souffrez de fatigue constante, de troubles digestifs et de prise de poids excessive, il est temps pour vous de prendre votre corps en charge, car les toxines et les graisses qui s'y accumulent sont les principaux responsables de votre état. Pour retrouver votre énergie, préserver votre santé et avoir un corps sain et harmonieux, voici une cure détoxifiante et amincissante à suivre pendant 3 jours. Notre santé physique et psychique est considérablement influencée par notre mode de vie, à commencer par ce que nous choisissons comme aliment. En effet, notre régime alimentaire détermine la quantité de nutriments, de calories, et de toxines qui pénètrent dans notre organisme. Donc, si votre régime alimentaire se compose majoritairement de produits transformés et industriels, ne vous étonnez pas si vous remarquez que vous prenez continuellement du poids et que vous vous sentez mal dans votre peau. Si, de surcroît, vous êtes une personne stressée et sédentaire, ceci ne fera qu'empirer votre état puisque le cortisol, appelé également hormone du stress, favorise la surproduction et le stockage des graisses, et le manque d'activité physique n'est pas pour vous aider à brûler vos calories. Pour remédier à tout cela, détoxifier votre corps, réduire ses dépôts de graisse et rétablir son bon fonctionnement, voici une cure détoxifiante et amincissante naturelle à suivre pendant 3 jours seulement. Cure détoxifiante et amincissante. Avant de commencer cette cure, il est important de prendre la veille au soir, une tasse de thé laxatif, pissenlit ou aloe vera, afin de nettoyer les intestins et d'évacuer les dépôts de matière fécale. Le lendemain matin, premier jour de la cure, préparez de l'eau au citron, en mélangeant 2 tasses d'eau tiède avec une tasse de jus de citron frais, et quelques morceaux de racines de gingembre. Remuez et laissez poser pendant quelques minutes avant de filtrer le gingembre, et de boire avec une paille pour éviter l'effet abrasif du citron. Le mélange à jeun. Ensuite, prenez votre petit déjeuner en veillant à ce qu'il soit sain et équilibré, puis buvez un verre de jus de pamplemousse frais. En fin de matinée, préparez un jus de carotte et buvez-le avant votre déjeuner, puis accompagnez ce dernier avec un jus riche en potassium. Vous pouvez donc combiner carottes, épinards, céleri, persil et choux. Passez le tout à l'extracteur de jus et filtrez le soir, avant d'aller vous coucher, buvez 340 ml de jus de canneberge. Suivez les mêmes étapes, 3 jours de suite, pour vous sentir plus léger et en meilleure forme. Cette cure est à renouveler 1 à 2 fois par an au maximum. Comment agit cette cure? Grâce aux vitamines et minéraux, ainsi qu'aux fibres contenues dans les fruits et légumes utilisés, cette cure permet de faciliter la digestion, de lutter contre les différents problèmes digestifs tels que la constipation, les ballonnements et les flatulences, et d'améliorer le transit intestinal. Elle a également un effet énergisant et rassasiant qui lutte contre les envies de grignotage et de fringales sucrées, responsables de la prise de poids. De plus, les propriétés antioxydantes des ingrédients aident à renforcer les défenses immunitaires de l'organisme, à lutter contre les radicaux libres et les toxines responsables des inflammations et donc de la surproduction et du stockage des graisses. Ajoutons aussi que leur action drainante, ainsi que la richesse de certains d'entre eux en vitamine C, contribue à éliminer l'excès de fluide du corps, à réduire le phénomène de rétention d'eau ainsi qu'à mieux mobiliser les dépôts de graisse pour faciliter leur combustion. Ainsi,
votre corps est purifié, votre métabolisme stimulé et vos dépôts de graisse brûlés pour de meilleurs résultats, il est conseillé de manger sain et équilibré, de boire suffisamment d'eau et de veiller à pratiquer une activité physique régulière. Gingembre, il est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes diabétiques, chétives ou souffrant de maladies de sang. Pamplemousse, sa consommation est déconseillée en cas de traitement médical, car il peut interférer avec l'action de certains médicaments. Il est conseillé de demander l'avis de votre médecin avant de commencer n'importe quelle cure.